Coucou YouTube, c'est pas grave, aujourd'hui on ouvre les points des gadgets, voilà, une display. Allez, c'est parti. Meilleure intro YouTube, hein. Coucou YouTube, c'est vraiment génial. Hop là, tac, 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 tac. Donc du coup, cette extension, elle renforce principalement 3 decks. Point du feu, gadget et puis cybers. Enfin cybers, les bavards, les codeurs bavards. Principalement ça. J'ai des nouvelles cartes, j'aurais pas dire le nom des cartes, mais de toute manière, c'est pas une display qui m'intéresse réellement. Bon, après, comme d'habitude, comme un booster intermédiaire, c'est 60 cartes dans l'extension, 40 ultras, 20 secrètes. Il a pas fait comme David Lafarge, je désabonne. Et puis bah avec une secrète par booster. Alors déjà on commence. Attendez, petit zoom. Petit zoom. Hop tac, petit zoom. Là. Ah, focus qui s'est mal fait. J'en ai marre. Cette caméra, à un moment, faudrait vraiment que je la prenne. Non mais c'est le zoom, ça j'ai bougé. Tac. Mise au point. Là. Bah voilà, c'est bien mieux. Alors du coup, je vais même mettre ça ici. Confrérie du point feu, du point de feu, roi tigre. Même je pense le focus, je peux peut-être le même faire encore mieux. Attendez, bougez pas. Notre move. Non, ça va YouTube. Ah, dans l'autre sens. À 17 peut-être. Ouais, on va rester comme ça au final. Parce qu'on va peut-être remettre même à 15. Ouais. Ça n'a pas changé grand chose. Bah, bref, du coup, confrérie du point du feu, donc c'est ce que je disais, c'est du coup du nouveau support pour point du feu. Dragon fusion, venin infâme, mais bon, c'est clairement. Je l'ai en tellement de fois maintenant cette carte. Avec, parce qu'il est sorti dans tellement d'extensions à la fois. Gadget jaune, bah, bien évidemment, on va revoir les gadgets. Sauf que les gadgets, on les avait déjà eu récemment dans Dupo, je crois. Donc, du coup, ça fait. On en les a déjà pas mal. Lancier Tarbak. Talkback. Donc du coup c'est pour un support pour décodeur bavard. Et attention à la secrète, la première secrète. Ordre amorceur force d'équipement. Dis-moi. Alors c'est le joueur d'équipement que tous les monstres sont des monstres machines face recto que vous contrôlez sont des moins 1. Minimum 1, détruisez. Bon, en même temps, faut en contrôler au moins 1. Détruisez un nombre de monstres en position d'attaque contrôlé par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de monstres machines que vous contrôlez. Ça va. Ça pourrait servir dans mon deck Cyber Dragon. Eh, vous savez quoi d'ailleurs, j'ai lancé le record pour YouTube. J'allais dire j'ai pas lancé de record, mais si j'ai lancé un record. Mais si. Je n'ai pas fait que de la merde. Allez hop. Hop. Donc comme je disais, du coup c'est pas une extension qui m'intéresse réellement, je l'achète vraiment pour la collection. La prochaine extension, enfin le prochain truc qui m'intéresse vraiment, c'est du coup les tinbox. Les tinbox, je vais en ouvrir 6 la semaine prochaine, en stream d'ailleurs, toujours, parce que je vais ça en stream. J'en ouvrirai 6, des tinbox sarcophage doré, avec plein de rééditions géniales, plus la boîte, enfin la tinbox est jolie, on va avoir des nouvelles cartes, enfin c'est franchement ça va être stylé. Alors tir codeur bavard, pareil, toujours un truc pour codeur bavard. Formation feu, bah ça c'est pour point feu, point du feu. Gadget vert, bah après le gadget jaune. Silent conflit, pareil, toujours du support pour codeur bavard. Et formation feu, Ingen. Il me semble que cette carte elle est utilisée dans pas mal de decks. Parce que du coup en fait elle n'est pas forcément faite pour point du feu. Et enfin, entre guillemets, pas forcément faite pour point du feu. C'est, il me semble qu'elle est utilisée dans d'autres decks, mais je suis pas sûr. Ça drop un peu, je crois. Est-ce que j'ai pas de drop? Ah, si, j'ai eu des drops. J'ai eu des drops. J'ai eu quelques petits drops. J'ai complètement défoncé le booster là, c'est.
J'espère que ça va plus drop. Alors, saignée de conflit. Bon, la première double. La première double. Faudra qu'on fasse un petit test de Mobizen aussi. Ah mais t'inquiète pas, de toute façon on a le temps, attends. Les tickets seront distribués à partir du 27. On a le temps. On pourra faire ça tout à l'heure si tu veux même. Donc Signet Conflit, Gadget Argent, Code de Bobine, Codeur Bavard et Confrérie du Feu, Confrérie de du Point du Feu, Pan. Pas mal. C'est bah, d'ailleurs c'est une des cartes du display qui est juste là. Ok, tu m'enverras un snap. Je dois y aller là. Et bah, je te souhaite d'y aller correctement. Merci, bonne chance. Bah après, bonne chance. Je souhaite pas réellement quelque chose dans cette extension. C'est vraiment juste pour la collection. Luxure amorphage. Ah, je savais pas qu'il y avait du support amorphage. Maître Cerbère Bête Mythique. Ça, j'étais au courant qu'elle était éditée. Serpent Prohibitif. Chevalier Dynamite, véritable drac combattant. Et Enflammant Haute Température, véritable draco guerrier. Très jolie carte hein, d'ailleurs. Très jolie carte. J'aime beaucoup. Donc on continue. Et normalement aussi, là, je tease, mais ça devrait le faire à partir de septembre. Le setup change, le truc de stream change aussi. Normalement, j'aurai mon petit coin pour ouvrir et mon petit coin pour jouer. Donc on sera très très bien. Genre, il y aura le PC pour jouer là et je pourrai faire mes unboxings. Non, c'est de ce côté-là, ici, comme ça. Donc normalement, ça pourra faire un truc très 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 soin. Alors du coup, on est sur du paresse amorphage. Mademoiselle Majesté, véritable dracogicienne. Il y a du bon support pour tout Draco, hein. Je savais pas qu'il y en avait autant. Sorcier chronographe. Caporal amorceur dynamo du commandement. Ascension de l'arc démon. Pareil, c'est aussi une carte du display. C'est vrai que du coup il y a du nouveau support pour Carnavoké ou arc démon. Je crois qu'il y a du coup une Xyz, une synchro, une fusion et une rituelle. Je suis pas sûr pour la Link. Je vais aller voir. Une synchro, une fusion, une Xyz et un monstre rituel. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien ça. Allez, on enchaîne un petit peu. Tac au tac au tac au tac. Faut pas que j'oublie, faut que j'essaie d'ouvrir un booster correctement. Du coup, oui, la semaine prochaine, il y aura. Les tin box dans 2 semaines il y aura l'extension enfin l'extension là l'édition spéciale soulèvement de la fureur et ensuite je crois que c'est tout pour le mois de septembre. Au mois de septembre il y a le calendrier de l'Avent mais bon ça va attendre, je le ferai qu'en décembre. Bon, même si on découvrira les cartes bien avant parce qu'on se fera spoil. Mais voilà, recycleur de ferraille. De toute façon, suivez-moi sur Twitter et vous serez au courant de mes ouvertures de cartes Yu-Gi-Oh! Twitter.com/pimerov. Formation Feu Ultime Sinto. Peut-être faire un deck point du feu, hein. Déjà, je vais essayer de me faire un deck gadget parce qu'au final, les gadgets sont pas si compliqués que ça à jouer. Là en ce moment, bah d'ailleurs, attendez, je sais pas si je peux peut-être vous montrer comme ça. Regardez. Là, c'est des cartes que je viens de ranger vite fait. Car du coup, je m'entraîne en ce moment. Je m'y suis mis réellement. Bon, je m'entraîne contre des bots. Mais en fait, je pensais pas que c'était possible. Je pensais pas que quelqu'un avait créé un. Je savais qu'il y avait des simulateurs pour jouer à Yu-Gi-Oh! Sur son PC. Mais je ne savais pas qu'il y avait des moyens de faire ça contre des CPU.
Et du coup, j'ai cherché et puis au final, j'ai trouvé ça. On peut faire ça contre des CPU, tu fais ton deck sur puis tu te bats sur contre un CPU. Oh non, bah c'est la première double en secrète. Oh, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Moi, je suis là pour la collection, voir des doubles, ça m'intéresse pas trop. De toute façon, après en 24 boosters, techniquement c'est possible d'avoir toute l'extension d'un coup, mais faut vraiment chater, hein. Faut avoir minimum, enfin maximum 4 doubles. Et avoir maximum 4 doubles, c'est balèze, hein. Ouais, du coup, aussi en octobre, en novembre, t'as une nouvelle boîte qui sort. Je vais aller chercher le nom, vite fait. Hop, tac. Hop, Yu-Gi-Oh! Je dois avoir un truc style sortie Yu-Gi-Oh! Non, j'ai pas. Sortie Yu-Gi-Oh! En gros, c'est une carte. Déjà, t'as toutes les hand traps de sortie, enfin, qui reviennent. Coffret collector dévasteur du duel. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Coller. Non, 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 non. Hop, tac, coller et rechercher. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et en gros, je sais pas exactement ce qu'il y a dedans, je me suis pas intéressé vraiment. Mais t'as des cartes incroyables dedans. En plus, le nom de l'extension, vous voyez, là, c'est Figa, l'autre c'est Dude, genre Dude. C'est trop bien. Ah oui, c'est vrai, t'as un nouveau duelliste légendaire fin septembre aussi. Donc aussi, il y aura une ouverture fin septembre également. Donc fin septembre, début octobre, mi-octobre. Fin octobre avec Impact du Chaos, fin novembre, début décembre. Eh bé, ça va pas me coûter trop cher. En vrai, ça m'a coûté cher entre juin et août là. Mais là, ça devrait le faire. Et du coup, vous voyez. Oh bah non, mais bah encore un double. Bah non. Bah non, en fait. C'est chiant. Arrêtez de me donner des doubles là. On est déjà sur combien de boosters? Je devrais les compter, les boosters. Il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah, je suis bête, j'ai juste à compter les secrètes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Déjà 2 doubles sur 8 boosters. On est mal barré, hein. On est mal barré. Sachant que d'ailleurs, comme Legacy of the Duelist est ressorti, peut-être que je referai des lives dessus. Parce que bon, j'ai toujours pas fini l'histoire, parce que bon, je l'avais déjà fait sur Legacy of the Duelist, celui de base, je l'avais fait sur PC. Donc ça m'intéresse pas trop de le refaire, mais après je pourrais toujours le refaire. Gadget vert. Non, c'est bon, j'ai eu un doute. Donc bah, confrérie du point du feu, signe. Voilà, hop, tac. Tac. D'ailleurs aussi pourquoi pas, je pourrais faire aussi des lives où je joue tout simplement. Du coup là, bah là en ce moment vu que je m'entraîne contre des bots, est-ce que c'est vraiment intéressant? Pourquoi pas. Ça pourrait être intéressant. Mais bon. Histoire que bah, je me remette dedans. Parce qu'il y a une période au moment des photons. Au moment vraiment l'arrivée des photons avec le Néo Dragon Photon aux yeux galactiques, c'est à peu près après quelques extensions après où j'ai arrêté, où je jouais beaucoup. Je jouais beaucoup, peut-être pas bien, mais je jouais beaucoup. Et mais j'ai tout perdu. Là, c'est. Je joue franchement, si, dès qu'il y a des trucs un petit peu compliqués, je sais plus quoi faire. Forteresse de feu sur Liang Peak. Hop, tac. Donc, à voir. Du coup, en ce moment, j'essaie de jouer un deck Rocket basé sur du coup le deck de structure Révolte Rocket qui est sorti la semaine dernière. C'est ça, sorti le 15 août. Mademoiselle Majesté Véritable Dracogicienne, Confrérie du Feu Esprit, Combat Final Subterror. C'est vrai qu'il y a du support Subterror aussi. J'avais zappé. Confrérie du Point du Feu Ours et Confrérie du Point du Feu Bélier. Allez hop, on continue. Tac, tac. J'ai encore une fois défoncé le booster. Le prochain, je vais essayer de l'ouvrir correctement.
pour pouvoir le garder. Parce qu'en gros, sur mes classeurs, je mets là une page une normale, une feuille de classeur, enfin une feuille de classeur, une pochette de classeur normale, où je mets le booster et le nom de l'extension. Pour un petit peu illustrer. On l'a vraiment, je commence à l'avoir en plein de fois en hein, Dragon Fusion Venin Affamé. Formation Feu d'Omei. Ok. Je verrai ce que je peux faire avec Formation du Feu. Cela, il y a pas mal de cartes hein, plutôt bonnes. Ah bah j'ai dit que j'allais l'ouvrir correctement, bah, je l'ai. Enfin correctement. En gros, quand je dis correctement, c'est les ouvrir par en haut, genre comme ça, paf. Formation du Feu Yoko. Serpent prohibitif, oison, oiseau Defcon, l'hygre Tram et radiateur codeur. Encore du support pour Cybers et codeur bavard. D'ailleurs, je suis en train de penser, ça se trouve, vous entendez le. Oh, mais. Hey, oh, le prochain, vraiment, je l'ouvre correctement. Cela, j'en suis encore. Je vais trop vite en fait. Faudrait que je le fasse dans les premiers coups à chaque fois. Caporal, amorceur, dynamo du commandement. Confrérie du feu cardinal. Gadget rouge. Démon, Sub-Terror. Et attention, la secrète. Formation du feu d'Omi. J'ai déjà celle-là. Ah. Oh. Ah. Oh. Ça fait déjà 3 doubles. Si en 9 boosters, j'ai pas un seul double encore. J'aurais vraiment eu de la chance, hein, parce que ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. Bon, hop, continuons. Continuons, continuons. Ah, mais je l'ai encore. Eh, je m'énerve. Je commence vraiment à m'énerver, mais c'est pas grave. Allez. Au pire, je recommanderais un booster ou deux, et puis voilà. Signet optimisation. Gadget vert. Gadget argent. Elphase. On dirait un perso de Dofus hein, quand même là. Dofus. Genre juste enlève ça parce que c'est pas très Dofus. Là ça fait clairement Dofus. Attention, la secrète, confrérie du point de feu, éléphant. On va l'ouvrir correctement. Attends, regardez, du coup vous prenez comme ça et. Ah. Ah, alors. Alors. Je t'explique en fait. Faut pas que tu me résistes. Voilà. Et du coup, hop, tac. Ça, vos boosters sont presque intacts. Limite, tu peux les recoller. Et puis, du coup, ils sont fermés. Puis, c'est plus sympa. Bon, je vais le garder ici. Avec les autres. Voilà. Du coup, gadget jaune. Gadget rouge. Dragon fusion. Venin affamé. D'ailleurs, je viens de penser. Vu que ces deux monstres. Elles pourraient passer. Dans mon deck Rocket. S'il me manque vraiment quelques trucs dans mon extra deck, mais bon, ça devrait le faire. Lancier Talkback, manifestation de l'arc démon. Donc c'est la fusion arc démon. Donc on a la X6 et la fusion. Il nous manque plus que la synchro et la rituelle. Tac, donc c'est bon là. Vu que j'en ai ouvert un, je peux y aller et les défoncer. Confrérie du point du feu gorille. Confrérie du point du feu cardinal. Attendez. Ah non. Ah non, je pensais qu'il y avait eu un misprint, mais non. Il n'y a pas eu de misprint. Confrérie du point du feu roi tigre. Confrérie du point du feu ours. Et la secrète, pourvu que ce soit pas une double. C'est une double. C'est une double. Ingen, je l'ai déjà eu. Voilà. Donc, du coup, on n'a plus le droit d'avoir des doubles. Hein, sinon, je ne pourrais jamais finir l'extension en une display. Elphase, confrérie du point du feu gorille, Goliath amorphage, sorcier chronophage et chronographe, pardon, et attention, réveil de l'arc démon, donc c'est la rituelle. Arc démon,
Je sais pas si ça vaudrait peut-être le coup aussi de se faire un deck Arc Démon. Après, si je fais des decks de tout, je vais jamais avoir assez de staples pour. Hein. Parce qu'en vrai, ça coûte cher en staples. Hein. Rien qu'en force de miroir, j'en ai pas assez pour tous mes decks. Hein. Codeur bavard, Cavalier Dynamite, Sainet Conflit, Sainet Optimisation. Et bah, la synchro, bah, c'est bon, du coup, on a les 4. On a les 4, on les a presque. Enfin, on les a eu à la suite, hein, les trois dernières que j'avais pas. On l'a eu littéralement à la suite, hein, mais du coup, bah, c'est très très cool. Je suis très content parce que du coup, on a eu la X6 aussi avant. Donc, au moins, déjà, j'ai eu les 4 Arcs Démons. Je sais pas d'ailleurs, est-ce que. Contrat avec les Abysses. Est-ce que c'est une secrète? Ou je l'ai déjà eu là? Je pense que c'est une secrète, hein. Il n'y a aucune raison que ce soit une ultra, étant donné que les autres sont en secrète. Ils ont l'air d'avoir tout mis en secrète, donc ça doit être en secrète. Ça doit être en secrète. De toute façon, tiens, j'irai voir la liste des cartes juste après. Confrérie du point du feu coq, oiseau d'Efcon. Échange clérique, formation du feu Tensu, attention. Formation du feu Tenki, ouf, je crois que je l'ai déjà. Je crois que je l'ai déjà chopé. Oh non! Oh non! Je l'ai pas! Oh yes! Yes, 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 yes. Allez! Allez, allez! En vrai, c'est faisable. En vrai, c'est faisable. Il en reste. Ah, c'est moins faisable, je pense. Il en reste 4. Si j'ai pas une secrète en double dans les 4 derniers. C'est passé et on est bon. Enfin, peut-être aussi que je change le fond parce que du coup ça fait des grains bizarres. Je trouve un truc peut-être plus coloré. Je ferai un test justement avec un tapis que j'ai juste là. Un vieux tapis qui était dans les éditions Gold 4, je crois. Enfin, la pyramide. Latence, celle du coup où on avait les trois. Trois tapis, c'était vraiment incroyable. Il faudrait qu'il ressorte des trucs comme ça. Luxure, tir codeur, bavard, pouvoir au bloc, attention. Et merde. Et merde. Bon, bah, du coup, il nous manquera au minimum une secrète. Bon, je la commanderai peut-être. Je la commanderai peut-être. Je vais voir. D'ailleurs, il faudrait aussi que je commande le reste des cartes que je n'ai pas eu dans Revanche du Héros. Il m'en manque aussi. Confrérie point du feu esprit, formation de feu Yoko, latence, sorcier chronographe. Et bien, c'est encore une double, donc il nous en manquera au minimum deux. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Bon, après. Si vraiment il m'en manque 2 ou même 4, même s'il m'en manque 4, j'ai quand même eu de la chance. Hein. J'ai quand même eu de la chance. Formation feu Tensu, gadget or, confrérie point du feu cardinal, oiseau d'Efcon. Ouais, bah, ça s'enchaîne là les doubles. Hein. Les doubles s'enchaînent, les doubles s'enchaînent. Hein. Les doubles s'enchaînent. Attention, on est sur le dernier booster. Pour que ce ne soit pas un double, parce que déjà là on est à 3 doubles, enfin à 3 cartes manquantes en secrète. Attention, attention. Ah, ah, bon bah il nous en manquera 4. Il nous en manquera 4 des secrètes. C'est dommage. Bon, petit récapitulatif à ce moment-là. Il fera un tout petit live de 30 minutes, hein, de toute manière. Hop. Donc, nous avons eu. Là, je vais les trier. Tac. Tac, tac, tac. Hop. Tac. Nous avons eu déjà les supports, enfin les extras pour Arc Démon. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une nick Arc Démon? Ça, c'est une bonne question. J'irai voir juste après. Voilà, puis du coup, formation, voilà. On a eu au final, quand même, on a eu pas mal de chance. On a eu quand même pas mal de chance, on a eu peu de doubles, ça fait 8 doubles sur en secrète sur
24 boosters au final, ça va. Ça va, j'aurais pu en avoir beaucoup plus, hein, des doubles. Après, bah voilà, on a eu beaucoup de cartes aussi. Voilà, je vais voir pour me faire un deck Pont du Feu, hein, parce qu'au final, Pont du Feu, ça peut être sympa, Gadget aussi. Sachant que Gadget, j'ai beaucoup de fois eu les gadgets dans Duppo. Je crois que c'était Duppo. Là où du coup, il y avait le Gadget Platine. Enfin voilà, du coup, YouTube, hein, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si t'as aimé, n'hésite pas à t'abonner, il y en aura d'autres une la semaine prochaine en plus, incroyable. Puis bah voilà, je te dis à la prochaine YouTube. N'oublie pas, il y a peu d'ours dans le pot-au-feu. Bon appétit!